In April 2016, I traveled over a mountainous dirt road to the former pirate base of Pestel, Haiti, to visit the author and historian Jean-Claude Fignolet in his clifftop stone house overlooking the Baie des Garçons. C'était une vie sans histoire, un village comme tous les autres villages, des abricots et en proie aux calamités naturelles de temps en temps parce que la ville est balayée chaque 2-3 ans par des cyclones. Puis ça a créé un mouvement de solidarité, un sens du communautarisme entre les gens qui vivaient tous ensemble et on était presque tous parents dans le village. Et alors, très vite, cela a développé chez moi un sens de la proximité, un sens du rapport avec les gens, un sens aussi de la solidarité et une espèce d'appel, de reconnaissance, à dire on voulait être ensemble, on a appris à vivre ensemble. Et ça a été, en quelque sorte, ça m'a appris à développer un sens aigu de la solidarité et surtout un sens du partage, parce qu'on partageait tout. Et je me rappelle que durant les vacances, par exemple, à l'époque de la récolte de véritables et du passage de bancs de poissons, voilà, on faisait la fête et dans chaque maison, n'importe qui pouvait passer dans n'importe quelle maison et se faire servir à manger lorsque les gens, parce qu'on partageait tout, en quelque sorte. C'est une histoire simple. Et à l'époque, le courant littéraire dominant était encore l'indigénisme qui avait fait son temps. Il y avait dans la Caraïbe et au niveau de l'Afrique, il y avait la négritude qui triomphait, mais les détracteurs de la négritude lui donnaient une connotation raciste. Et à la même période, il y a eu un mouvement littéraire en France qui s'appelait le Nouveau Roman et qui prétendait rompre avec la présence d'un sujet et directeur dans le roman et à partir de ce moment n'avoir plus un récit autour d'un sujet, autour d'un personnage central, autour d'un personnage clé. Et ça a fini par éclater le récit et on en est venu à proclamer la mort du sujet, la fin du sujet dans le récit. Et comme à l'époque, on assistait à l'émergence du tiers-monde entre les deux blocs, entre les deux hégémonies, capitalistes et communistes, et alors il y avait une émergence de l'homme du tiers-monde. Et on s'est dit, nous autres en Haïti, que nous ne pouvions pas accepter de ne plus être sujet, c'est-à-dire acteur d'une histoire et acteur d'une histoire à faire ensemble. Donc à partir de ce moment, on a décidé que, on a pensé que la mort du sujet dans le roman signifiait du point de vue historique la mort de l'homme du tiers-monde en tant qu'acteur. Et entre ces deux postulats, l'éclatement du récit et la mort de l'homme, nous avons décidé de garder l'éclatement du récit parce que ça correspondait aux traditions du conte afro-indien. Donc on a décidé de garder ça, mais de rejeter la notion de la mort de l'homme et que nous nous affirmions pour que nous puissions nous affirmer en tant qu'acteurs de l'histoire. Cela signifie que, de ce point de vue, le spiralisme est abouti à ce que j'appellerais une idéologie tiers-mondiste. Et la solidarité de l'homme, du tiers-monde, de l'homme exploité. Et s'il faut penser au soubassement, à tous les soubassements idéologiques du spiralisme, on pourrait même remonter au courant philosophique marxiste, parce que à l'époque, pour la plupart en Haïti, les jeunes intellectuels étaient de gauche. J'ai déjà dit que pour nous, l'indigénisme en Haïti avait fait son temps et qu'on se méfiait
et de la négritude, lors même que César, Césaire, Senghor lui reconnaissaient un aspect universel, eh bien bon, et ses détracteurs et voyaient une tentation de racisme anti-blanc en affirmant la négritude, en affirmant le droit à la culture et sur un postulat nègre. Et alors, on a cherché et on a découvert que s'il fallait trouver des rapports entre le spiralisme et d'autres courants de la Caraïbe, il faudrait chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la tradition des contes afro-indiens, parce que les récits sont des récits éclatés et on postulait et ce que j'appelais, ce qu'on a appelé, tu vois, un récit total, c'est-à-dire que ça pouvait être à la fois roman, poésie, musique, etc. Donc tous les genres pouvaient être englobés dans la poursuite d'un récit. Mais s'il faut absolument trouver des influences sur le spiralisme ou des ascendants sur le spiralisme, eh bien bon, et on pourrait se tourner vers le mouvement qui s'était développé à Veracruz, le mouvement La Honda, qui postulait un mouvement que l'art comme un mouvement circulatoire, comme un mouvement circulatoire. Et il y a un auteur guatémaltèque, Jaime Díaz Rosato, dans son livre Monsieur le Général, qui avait dit que l'art ne pouvait être que spirale. Donc, alors, la formule nous convenait et s'applique bien à nous parce que notre écriture est une écriture spiralée, elle n'est pas linéaire, voilà, et on tourne et on peut tout embrasser en tournant. Et nous sommes un peuple d'origine africaine. Nous sommes venus de l'Afrique, dans les conditions que l'on sait. Et les différentes tribus ont apporté ici et le package, en quelque sorte, de voir culturel qu'ils avaient, religion, mœurs, etc., art, etc. Donc, ils ont apporté ça ici et il y a eu quelque chose qui les a rassemblés, puisqu'ils étaient d'ethnies différentes et parfois antagoniques. Ce qui les a rassemblés, ils ont fait l'unité autour de la religion vaudou. Et ça va être le ferment de résistance, l'élément de résistance clé des esclaves par rapport à l'enfer colonial. On sait que c'est à partir de la cérémonie du bois caïman que les esclaves ont posé le premier acte fondateur de leur libération, de leur libération. Donc, on retrouve l'influence du vaudou dans toute la vie haïtienne, dans toute la vie haïtienne. Et même lorsque les colons prétendaient et déraciner ça, ne connaissaient pas le. Même Toussaint Louverture, à un certain moment, a persécuté le vaudou. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que il s'est développé une forme de résistance qu'on a appelé marronnage. Et le vaudou, et plutôt que de disparaître, a infiltré le christianisme, a infiltré le christianisme, et le vaudou et a assimilé les principes et les rites du catholicisme, par exemple, du catholicisme, pour et se forger une identité qui était un masque. Une identité qui était un masque. Le vaudou s'est caché, les dieux vaudous, les lois vaudous, et se sont cachés derrière les saints de la religion catholique, par exemple. Un saint Jacques majeur n'est autre qu'Ogou, Ogou Ferraille, le dieu du fer. Et ça, c'est
Ça a continué après l'indépendance, et on a retrouvé le vaudou dans toutes les articulations de la vie haïtienne, de la vie politique. On ne fait pas de politique en Haïti sans vaudou. La vie politique, la vie culturelle aussi. De plus en plus, le vaudou marque la culture haïtienne. On l'a vu dans la peinture, de la peinture haïtienne. On la sent, on sent la présence du vaudou, à présent de plus en plus, jusque dans les églises. Parce que les chants, on adopte les rites vaudous pour porter les chants religieux. Et cela fait que le vaudou est en train de coloniser le christianisme. Donc, plutôt que c'est le christianisme qui assimile le vaudou, c'est le vaudou maintenant qui colonise le christianisme. Et il y a ceci, comme je l'ai dit, le vaudou se retrouve dans toutes les articulations de la vie publique haïtienne et en particulier dans la vie politique. Si bien que, et si ça finit par avoir une influence sur le catholicisme, une influence sur le protestantisme, et je n'en doute pas, le catholicisme et le protestantisme ne peuvent pas faire disparaître le vaudou, parce que le schème vaudou est trop fort dans la conscience des Haïtiens. Et il faudrait qu'on arrive à avoir des vaudouisants éclairés, des vaudouisants cultivés qui ne ressortent pas seulement, qui ne tiennent pas seulement la pratique du vaudou comme quelque chose de secret, mais qui décident de s'affirmer. Et plus ils s'affirmeront, et plus ils seront écoutés dans la vie politique haïtienne, parce qu'il y a une sagesse vaudou, il y a une sagesse vaudou dont qu'on n'écoute pas et qu'on n'exploite pas non plus. Par exemple, lorsque le vaudou, dans le vaudou, on dit le mal commis par un seul homme est subi par tous les hommes, cela signifie que si quelqu'un écoute le message, eh bien bon, il se garderait de faire de commettre le mal, parce qu'il sait qu'en faisant le mal, eh bien bon, il punit. Et il inflige quelque chose comme une punition à tous les hommes. Donc il y a une morale vaudou à exploiter qui pourrait à terme rejoindre la morale catholique, qui pourrait à terme rejoindre la morale chrétienne et qui pourrait de ce point de vue peut-être bouleverser la moralité politique en Haïti. Et il y a ceci, c'est que en Haïti, la plupart des églises évangélistes font reposer leur postulat sur un principe, sur un élément. La faim est faïenne des Haïtiens. C'est-à-dire qu'il y a la précarité des conditions de vie des Haïtiens. Et il recrute des fidèles, non pas en fonction de la force de leurs convictions, mais en fonction de leur capacité à donner à manger au peuple. Il n'y a pas de doute que cette forme d'évangélisation, évangélisation des consciences par évangélisation du ventre, cette forme d'évangélisation est perverse, en ce sens que l'homme haïtien, à partir de ce moment, ne cherche pas à avoir une opinion. Il suit aveuglément les consignes de son Église en fonction de ce que l'Église lui propose au jour le jour pour améliorer ses conditions d'existence. On doit reconnaître que les églises chrétiennes, comme vous appelez les églises évangéliques, eh bien, elles font un certain travail au niveau de l'éducation. Mais malheureusement, c'est un lavage
de cerveau parce que ils apprennent aux enfants à se pénétrer du slogan là sur la monnaie américaine, In God we trust, mais pour pervertir cette notion, In God we trust, ça devient dans le dollar, nous croyons, et nous croyons dans le blanc américain. Et que ces gens-là, on sait de plus en plus que les églises protestantes, en dehors de leur mission d'évangélisation qu'elles assument, eh bien, les églises protestantes, pour la plupart, sont des officines de la CIA. Et on prétend même que le commandement, le centre de commandement de ces églises se trouve à Chicago. Se trouve à Chicago, dans l'antenne de la CIA à Chicago. On dit que c'est. En fait, les églises, plutôt que d'avoir une mission évangélisatrice et civilisatrice, et les églises font la politique américaine en Haïti. Et c'est pour ça que elles manipulent les crises politiques, elles manipulent les crises économiques, elles manipulent tout en Haïti, à présent.